Allez c'est parti et ça sera pas un Panda Tank Ça sera bien un Zobal Tank Oh il joue que 6500 points de vie <laughs> Ok Cookie avec les résistances neutres du mode O Donc ça fallait s'y attendre 19% neutre, 19 neutre Bon on a Enyripsa Feu, Panda Feu Uginak O On joue vite côté Zobal avec ce Zobal Tank Imagine on perd contre ma création Zobal Tank là. Nah au calme Bon de toute façon on en a bien profité aussi Nous du Zobal Tank Sramfeu qui soigne et Yop Agilité qui crie un petit peu. On connaît déjà tous les éléments, un coup d'œil. Beaucoup de persos qui jouent feu. On va faire la zone pour donner les boosts. On fait rush le Pandawa. Ok, le Pandawa qui joue avant l'Ouginac. Très bien. On a que 18% haut hein, sur ce Panda. Euh, mais ça tombe bien personne tape haut en face A priori C'est le, bon... le bon brain côté Solari Le bon sacrifice de résistance Il y avait quand même peu de chance qu'il y ait des dégâts oh, effectivement c'était quand même un bon call Ils aiment bien faire ça Solari hein. Sacrifier des résistances pour gagner des stats Gagner des dégâts Gagner de la vita n'importe Et on va peut-être éroder directement Non ça sera tanné pour l'instant Pas d'érosion Et on va reculer le Zobal On va se reculer aussi je pense parce qu'ils ont envie de se faire ramener quelqu'un là. -bas. Ce serait le surtout qu'il faut protéger. Parce que. Vu l'initiative. Euh, il a que 32 feux ce Yop. Oula. Là, je crois qu'on veut clairement focus ce Yop. Hein. Côté Solary, vu ses rails, en plus. Il tanque vraiment pas beaucoup si on le chope. Mais bon. Il est un peu loin. Pas sûr qu'on ait de quoi l'atteindre. On n'est pas en rattrapé ou quoi là, je crois. Ah si, on est en rattraperie, j'ai rien dit. Bah, il peut. Après, ouais. Je sais pas, peut-être qu'il va juste ramener le Zobal, mais bon le Zobal il est loin à focus. Hein. Peut-être qu'il va juste taper aussi. Hein. Non je crois qu'il veut vraiment ramener le Zobal hein. Après, c'est pas une mauvaise idée hein. Si tu veux focuses le Zobal et que tu les rodes, il tapera de moins en moins. C'est aussi une strat. Parce qu'une fois que le Zobal il est genre en dessous des 4000 vita max, sa mascarade elle est vraiment pas terrible. Hein. Donc pourquoi pas tout simplement aller sur le Zobal. Certes, quand tu vois un Zobal tank, es en mode la flemme. Mais faut pas non plus l'ignorer, quoi. Et le SRAM qui va essayer de répondre avec de l'érosion sur le Pandawa, normalement. En tout cas, il peut pas faire grand chose pour son Zobal. Donc son Zobal va devoir tanker l'UGINAC. Et le Zobal a beau avoir 6500 points de vie, ça peut descendre très très vite. Ça peut descendre très 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 vite. Fourberie qui va subtiliser de l'intelligence à notre Pandawa. Et une brume. Une brume dès maintenant. Attention, la brume, elle est vraiment coupée en deux. Et il finira même pas dedans. Elle est un peu coupée en deux, donc il y a beaucoup de cases useless, il y a beaucoup de cases dans le décor et tout. Et elle est pas ouf la brume quoi. Je pense c'est une brume un peu panique moi je trouve. Parce que même si le zobal arrive à aller dedans, bah il sera pas très dur à trouver en fait. Et on va poser le ben sur le front de ce zobal et on va même lui bloquer le passage. 6000 HP sur ce Zobal, il peut mettre une mascarade mais il n'y a personne d'érodé, donc c'est pas très intéressant là. C'est vrai que là le Zobal Tank, on va peut-être voir un Zobal Tank flop pour la première fois. Bon on va pas parler trop vite. Il peut masquer le Panda, le hein. Panda qui est érodé à 10%. Mais il va pas partir vers le Panda, ouais, il va partir loin de tout le monde. Loin du Panda, loin de Lenny. Bon arrive ça pourra quand même l'attendre hein, je pense. Warporta qui a décidé de jouer en 7 ans de malheur. Ça lui file à la fois des résistances terre, à la fois des... du retrait PA. Par contre, un peu moins de dégâts pour les neripside. Après, un peu moins que les autres, c'est pas grave. Ouais, la classe tape quand même fort. Hein. Bon, je pense qu'il joue pas avec Scalpel. Parce que Ward, il aime bien jouer au mode frayeur. On verra si on a la réponse à un moment. Hein. Peut-être qu'on verra quand même Scalpel. En tout cas, qui si vient d'arriver, c'est la team qui a les petits cercles rouges. Et Gamma, la team avec les petits cercles bleus. On va faire des dégâts. En vrai, ça ça tape bien, moi, je trouve. Hein. Et sachant qu'il était sous Pontera. Euh, le retrait PA passe pas trop, mais le mec avait des l'esquive. Et de toute façon, retirer des PA un Zobal qui a 6000 HP, on s'en fiche un peu. C'est pas très utile de le retirer des PA. Et on joue Lapino, d'ailleurs, pas Fiole. Ce qui est un peu what the fuck en mode feu, j'avoue. Je suis le premier à répéter que la fiole est mieux en mode feu. Mais bon, moi j'écoute le Go toward Portail, hein. je trust, je trust. On va aller Focus ce Pandawa. Friction. Et on veut lui mettre... Euh, comment ça s'appelle Fracture. Est-ce qu'on le duel un peu vu qu'il est isolé Voilà, le duel, il est isolé, ce Panda, il peut descendre. C'est comme un pari assez risqué pour Solary Focus ce Zobal parce en gros, dans la course à l'érosion, le Zobal, il, il a 2000 HP de plus que notre panda, quoi. Donc, en gros, on doit récupérer 2000 HP de retard de, de base en, quand on le focus. Mais bon. Vu qu'on a plus de dégâts, normalement, c'est pas un gros problème. Oui, la brume sert vraiment à rien. Hein. Ça, je l'avais dit. Hein. Dès qu'il l'a lancé, je l'avais call. La brume, à mon avis, va pas être utile du tout. Bon, elle sera peut-être utile le prochain tour, mais j'y crois pas trop. Et les gars, on va prohibition, ce qui est une très bonne réaction, parce que du coup, il est invulnérable à la fois en mêlée et à la fois à distance. Cependant, pendant un tour entier, va prendre zéro dégâts. Il peut pas, hein il est vraiment juste invulnérable. Hein Alors par contre, il a balancé le SRAM dans la brume, c'est un peu bizarre. Ou peut-être un bug je vais voir. Il a pas fini, bon en vrai, il est pas obligé de finir sous Pickle vu qu'il est invulnérable, c'est juste pour les dégâts du Yop prochain tour. Le SRAM est ici. Bon, à la fin du tour il était un peu en panique, mais je pense que c'est pas très grave. De toute façon, le SRAM peut pas le taper, hein, donc. Euh je sais pas trop ce qu'il va faire, balancer des pièges peut-être. Il a mis l'étape pesanteur sur l'Originac pour pas qu'il puisse flair Ouais, c'est pas mal. Bon, déjà, bonne nouvelle pour euh, côté Solari. Le Zobal a déjà perdu genre 1000 HP, du coup, sa mascarade elle fait déjà beaucoup moins peur. Ça tape bien, une mascarade avec 5400 HP max. Tu, tu mets du moins 1000, mais là on a peut-être déjà économisé 400 dégâts sur la mascarade quoi. Donc, euh, ça c'est très très bien. Parce que à partir, à ma... En plus, ça, c'est vraiment le truc, sa mascarade. À partir de maintenant, elle t'apprend vraiment de moins en moins fort. Donc, c'est de moins en moins dangereux. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. C'est pour ça que c'est bien... pas si mal de le focus. Bon, après, c'est plus long par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait K.O. de convergence là C'est quoi le projet J'ai peur qu'il y ait un piège sur la route quand même. Hein. Ok, non, il veut pas K.O. de convergence. Il va Cubitus pour gagner le PM. Ouais, je pense qu'il a à la portée normalement. Faut qu'il joue vite, un pente. Ouais, j ai... J ai... il a pas la portée. Ah, il a peut-être pas. Ouais, je sais pas s'il si aura le temps de faire son tour. Cubitus Cubitus. Elle ah, il n'a pas eu le temps de finir malheureusement. Il a passé avec 5 PA. Bon, tant pis. C'est un peu chiant. Je sais pas ce qui lui a fait bégayer là. Ouais je pense parce qu'il avait pas la portée Cubitus. Il devait lui manquer une case. Ou il n'a pas la ligne de vue en fait simplement, non euh, Non, ça va être une histoire de portée plutôt. Il faut que je regarde le wiki, voir c'est combien de portée Cubitus. Est-ce que c'est PO modifiable peut-être euh, Je vais regarder si je trouve l'info. Oujinac, mode O. Ça doit être si P. Non, attends, non, ça a l'air d'être modifiable. Est-ce qu'il avait un malus PO Je sais pas. Bon, j'avoue, j'ai pas l'info. C'est pas la fin du monde, mais attention, on est en quart de finale, faut éviter de faire des chocs. Bon, pour l'instant, c'est pas très inquiétant. Il y a un truc qui va être relou. Là, c'est qu'on va se prendre un full tour du hop et on peut pas y faire grand chose sur le panda. je veux dire. Hein. On va se prendre un full tour sur le panda. On pourra pas faire grand chose pour l'éviter. Donc attention à ça. Il avait pas la LEDV. Ok, ok. Bah ouais il fallait juste qu'il mette son glyph pm avant c'est dommage Bon petit misplay Faut rester focus vraiment c'est pas la fin du monde On a perdu genre 400 dégâts c'est pas grave Et on veut aller débuff L'érosion de ce pandawa En plus il va être insoignable à ce tour Donc c'est pas mal de soigner un peu avant qu'il soit insoignable je crois Est-ce que le lapin il a la range Non je pense qu'il a pas la range hein. Ah si ouais il peut soigner une fois pas mal Ok donc là, le Yop peut taper. Donc attention, c'est une bonne phase de jeu là pour l'équipe Gamma. Le duel qui est utilisé, qui est l'un des plus gros sorts de leur compo, euh... et le Panda qui n'avait pas fini son tour sous picole, donc il va prendre un peu plus de dégâts. J'avoue qu'on n'a pas très bien joué ce tour 2. Enfin, il y avait des bons trucs, mais le fait que le Panda finisse pas sous Picol, il balance le Sra, mais ça servait un peu à rien en vrai. Et euh... le jina qui passait avec quelques PA, c'est un peu dommage. C'est pas la fin du monde, voilà, on prend cher, mais il apprécie ou pas euh, Il apprécie. Là, attention, on est insoignable hein, quand même, hein, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'aime pas trop Prohibition en vrai. C'est pour ça que là, faut faire gaffe, c'est pas très très bien joué. On n'est pas super bien dans la game sur ce timing là. On n'a pas pris beaucoup d'érosion par contre je trouve. Donc si on arrive à un petit peu ce. Parce que là, ils ont calaqué pas mal de gros sorts. Hein. Le yup, il a tout calé en gros. Si on arrive à s'en sortir bien de cette phase de jeu, on pourra remonter sans problème. Il y a un truc qui est dommage aussi avec le... Il y a peut-être un bug avec la brume, là, des fois ça arrive. Ouais, c'est possible qu'il y ait eu un bug avec la brume. Hein. Ouais, le bug brume. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait un tour bizarre, le tour d'avant, le panda, mais bon. Par contre ça, exi... ça ex... excuse pas le tour de Lujnac. Et ouais, ce que je veux dire, Lujnac, c'est que s'il avait pas fourré son tour, il aurait dû en gros attirer le Zobal. Ou au moins se rapprocher du Zobal. Et du coup au lieu d'être placé ici, il aurait dû être plus proche de la game, tu vois, il aurait dû être genre par là. Et vu qu'il a pas terminé, il est un peu loin. Du coup, là, ça va encore se répercuter prochain tour où il va être un peu en retard sur la game à cause de ça. Donc, c'est un peu chiant. Alors, le, bu... que le bug brume, des fois, même quand tu quoi, ça règle même pas le bug. Hein. Bon, ça a l'air d'être bon. Mais je pensais qu'ils avaient fixe ce truc. En gros, dans, la... dans le bug brume, c'est que t'as des cases qui sont mortes dans la brume et tu peux pas cliquer dessus. Euh, mais je pensais qu'ils avaient fixe, mais apparemment non. Le panda va essayer de se barrer, vu qu'il est focus. Il veut pas revenir dans cette game. Il va falloir un peu reset ce combat. On n'a pas pris tant d'érosion que ça, donc ça va, rien d'inquiétant. Mais on n'a pas très très bien géré ce, ce tour 2. Le tour 1 était bien en vrai. Après, le panda qui commit pour ramener le Zobal, alors qu'il est pas full tank aussi, c'est un peu risqué. Hein. Ok, la brume qui part. Bon, elle n'était pas très utile cette brume en vrai. Bah bon, à part qu'elle nous a fait un bug, euh, pas grand chose. On érode sur les Mais là c'est Lugina qui est loin. Est-ce qu'il va pouvoir choper sa cible Sachant qu'il a plus de sorts de dons PM. Euh, pas sûr. Hein. En plus, il y a le doute qui va le gêner, je pense. Ouais, c'est vraiment dommage. Ce fait Lugina qui coûte cher, je pense, quand même. On met des bons dégâts sur les Neripsa. Qui a pas beaucoup de reste, effectivement. On s'attendait pas à un feu apparemment. Parce qu'en gros, en face, ils ont des dégâts neutres, feu, air. Est-ce que 8 PM, c'est assez Je pense qu'il lui manque. Après, il peut peut-être euh, convergence sur Lenny. Ah, il y a un piège dérive qui le gêne. Sinon, il y a votre convergence-convergence. Ça coûte beaucoup, mais il va peut-être falloir le faire. En fait, le problème, c'est que notre compo, elle est forte en mêlée. Et là, on n'est pas en mêlée, quoi. Oh là, il va encore passer avec 50 PA, elle il a pas d'inspi. Il va reculer, on va essayer de reset cette game là. Il faut se refocus, on reset tout. En soi, reset la game, c'est pas horrible parce qu'on a érodé 1300 sur le Zobal et nous on a pris que euh, 800-900 sur le panda. Donc c'est ok. Tiens. Mais je pense, enfin j'aime pas trop quand même le fait de reset tout, parce que après ils vont récupérer leur cooldown de duel. Et notre compo elle est pas très forte de loin, on va pas se mentir, Jidak de loin ça sert à rien, quoi. Et ouais le tour le précédent de Luginac, il a vraiment foiré notre early game là. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'en soi, notre compo, je pense vraiment qu'elle veut être dans la mêlée, c'est là où elle est le plus efficace. Mais faut qu'on arrive à y rusher correctement quoi. On fait tomber le pendant, on veut remettre les boosts. Mais c'est vrai qu'on joue lapino en plus. Allez, on débuff l'érosion là. Mais ouais, pareil, le call prohibition en vrai est stylé. Mais à la fois, prohibition, là, le retour qui te met l'état insoyable, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment un peu nul comme ça. En vrai. Ok, on attire un peu tout le monde. On met un galvanisant qui va changer de place avec Luigi ou donner du shield à Luigi, je sais pas. Plutôt échanger de place en vrai, je dirais. Ok, on préfère Chile Del Panda. Ouais, c'est vrai qu'il avait pas de. Il n'a pas beaucoup de points de vie. La puissance de relancer, la petite divine qui fait plaisir. Bah, en vrai, en plus, ils sont contents là, côté gamma. Parce que lui, hop, il sortait de précis. Donc, le fait que la game se, se réinitialise, il est en mode Bon, vas-y, moi, de toute façon, je n'avais pas de P à tour-là. C'était tranquillou. Je vais relancer mes boosts tranquillement en bas précis. Je pense que ça leur va. Ils sont contents, gamma, de reset un peu tout ça. Le panda, euh, le panda, non pardon, le zoba, il est de nouveau assez safe. Bon, il y a juste l'histoire de mascarade qui va taper moins fort, donc ça c'est cool. Le panda, vraiment, le call panda feu dans cette game, euh, est-ce qu'il fallait pas simplement jouer panda tank hein Moi j'aurais tendance à dire que oui. Hein. Parce que pour l'instant, quand même, moi je tiens à préciser qu'on a eu un panda feu qui a eu un gameplay de panda tank. Parce que pour l'instant, son gameplay c'est juste d'avoir ramené le zoba, il a rien fait d'autre. Alors qu'en mode tank, il aurait pris beaucoup moins de dégâts. Donc pour l'instant. Moi je reproche à Solari là, choix de stuff. On verra, hein. je pense que le panda feu pourrait être utile plus tard. Mais là pour l'instant, dans cette early game, si on avait joué un panda tank, ben, on était mieux. Puisqu'il aurait pu. En fait, panda tank, l'avantage c'est que tu commises comme il a fait, sauf que tu n'es pas vraiment en danger. Parce que tu as 5500 HP, tu as 50% de raise, donc tu risques rien. Là où par contre tu joues panda ou à feu, ben, tu avances, tu te prends les dégâts du hop, tu te prends les dégâts du SRAB, c'est normal. On avait peut-être peur de ne pas avoir de dégâts, mais franchement, l'Ujinak O, ça suffit limite tout seul en termes de dégâts. Donc ouais, moi je crois que j'aurais préféré voir un pont d'attente dans cette game. Hein. Plus en mode placeur, parce que là pour l'instant ce qui nous manque c'est du placement. Hein. Donc certes, tu peux placer aussi. Allez, il va cancel le flair. Tu peux aussi placer en mode euh, feu, mais du coup, t'es moins tanky. Du coup, en gros, tu places moins. Pour résumer, puisque tu peux pas tu peux pas t'avancer n'importe comment. En plus, ça nous avait pas trop mal réussi, Panda Tank. Bah, bon, quoi, je dis ça l'autre fois, on avait perdu avec, parce que c'était le combo, il y avait 9000 colères de Yop, mais en soi, le Panda, il avait fait grave le taf, tu vois. C'est pas vraiment à cause du Panda Tank qu'on a perdu. Quoique, peut-être, c'est à cause de ça, ils avaient été frustrés, que le combat, tu sais, il était en 2v2, et que le Panda, tu sais, il était en mode temps, il pouvait pas taper. Ils se sont dit, on va pas refaire le Panda Tank, on va jouer Panda Feu. En vrai, je sais pas. Oh, le big piège fragmentation, là. Eh, c'est pas mal ce nouveau stuff sur SRAM Feu, parce que t'as une bonne portée, contrairement à avant. Et là ouais, voilà, il faut commencer à s'avancer côté Solari. Hein. Parce qu'on l'a dit, notre compo de loin, elle n'est pas terrible. Notre compo, elle est forte euh, mêlée ou mi-distance. Après, de loin, en vrai, ils ne font pas grand-chose non plus. Euh, D'un côté, ils ne font pas grand-chose non plus. Mais de loin, ils ont quand même l'avantage du SRAM. Qui fait que le SRAM, il peut mettre ses pièges, il peut booster un peu, machin. Euh, bon. Encore une pause. Bon, cette fois-ci, je crois, la pause, c'est pour les joueurs de... C'est pour les joueurs de, de Gamma. Bon, on va faire un petit point sur les points de vie. Pour l'instant, game un peu brouillon, même des deux côtés, hein, parce qu'en face, la brume de Gamma, elle était quand même très bof. Bon, c'est pas non plus catastrophique ce qu'on voit, hein, mais. Euh euh, je suis pas fan de tous les choix qu'on a dans la game. On a en gros perdu 1200 points de vie max, euh, même peut-être 1300, et ouais, 1300 points de vie max sur ce Zobal. Ce Zobal qui ne tape pas à part avec Mascara, mais pour l'instant d'ailleurs il n'a pas mis une seule Mascara, donc pour l'instant le Zobal il sert pas à grand-chose. Euh, L'Enerysa qui a perdu je crois 400 points de vie max. Euh, le Yop qui n'a rien perdu, le Yop il est full vie, personne ne l'a touché. Le Panda qui a perdu un peu moins de 1000 vita max je crois. Bon c'est pas la fin du monde Le SRAM qui a rien perdu Et Luginac qui a rien perdu Donc C'est franchement even Pour l'instant Personne a vraiment d'avantage euh, Mais on aurait dû Avoir un avantage en gros C'est plutôt ça Donc je dirais que C'est pas vraiment L'avantage de Gamma Mais on aurait dû Nous Solari Avoir un avantage là Parce que si on fait pas Avec Luginac Je pense que le Zobal Il a, euh, il, a il a 400 Vita de moins quoi C'est pas grand chose même différence Peut-être même plus Peut-être 500 Bon là la game est en pause. Ouais c'est la première game. Et pour une fois que c'est pas une pause de Solary, parce qu'à chaque fois on se bug de nous parce qu'on met en pause et tout, ça commence à lâcher des bails, là c'est pas notre faute. Hein. Je sais pas c'est quoi le problème, mais c'est pas de nous là. Ah oui sur, sur Dofus les pauses bah, c'est un peu pareil sur tous les jeux quoi mais sur LOL, euh, sur LOL les pauses aussi tu peux parler stratégie à mort quoi Là sur Dofus tu fais une pause pendant 5 minutes euh, Bah là ça va peut-être pas durer 5 minutes tu là ça fait environ 2 minutes déjà T'es en mode bon les gars on fait quoi Parce que là euh, c'est quand t'as tes c'est quand t'as tes relances, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule et nanani bah, Après c'est pareil pour les deux teams Sur LOL ils ont pas le droit de parler. Ouais. Bah quand c'est en LEC, ok, mais quand ils sont genre en LFL, il y a vraiment des mecs qui peuvent vérifier s'ils parlent pas. J'y crois pas trop à ça quand même. En LEC, vu que c'est en. Tu sais, c'est en présentiel, tu peux voir si les mecs parlent, clairement. En LFL, euh... Enfin, euh, je sais pas, peut-être y'a un arbitre dans le vocal qui vérifie, hein, c'est possible. Hein. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas, hein. je suis pas, hein. pas, pas, pas joueur pro. Il y, y a des arbitres qui écoutent, ok, ok. As si la pause dure 10 minutes et que t'as pas le droit de parler, tu dois te faire chier, hein. J'avoue, il s'envoie des SMS. <laughs> il s'envoie des SMS en mode... Hé hey, les gars, on fait ci, on fait ça. Ok, c'est reco, donc peut-être qu'on va pouvoir relancer, je ne sais pas personne vérifie en offline ah voilà on est d'accord il y a un arbitre dans la maison de la team non mais il aurait pu avoir un arbitre sur un discord moi j'en sais rien tu vois mais bon ça me paraît foireux donc je pense pas qu'effectivement les gens vérifient quoi bon 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 est-ce qu'on a des infos pas vraiment d'infos faut rester focus pour l'instant, la game est largement jouable. Je sais pas c'est quoi son problème. En vrai, c'est peut-être juste sa connexion ou son ordi. J'en sais rien. La game est relancée. C'est parti. Le Zobal. Qui, bon, de toute façon, il est entre deux kw et machin. Il va pas faire grand-chose à part mettre du shield. Là, on est un peu obligé de jouer autour de notre gangrène d'Uginak. Parce que sinon, on tape sur du shield. Et s'il y a pas d'érosion, ça sert à rien. Il faut mettre de l'érosion pour taper dans cette game. Allez, ah, on remonte les points. Oh, les soins de malade de Lenny, là. Ah, clairement, eux aussi, ils sont obligés d'éroder. Mais ils ont doublé rôdeur. Ils ont doublé rôdeur. Ouais, tu vois, ils jouent bien mode frayeur, c'était Ça, ils jouent pas Scalpel. Là, on a bien attiré l'Ouginac d'une case pour pas qu'il se fasse éroder facilement par ce Yop. Et on va faire du retrait PA. Sur le yop. Bon, il a pas mal d'esquives. En face, on a mis pas mal d'esquives. Ah, comme quoi, il réattire le Wichidak quand même. Enfin, il repousse par l'Oji. Et les retraits dérives, ça ne passe pas. Pas une bonne nouvelle, ça. Ça aurait été bien de retirer un petit peu ou deux. Bon, un, on aurait pris déjà. Mais ouais, ah, il... Ouais, ok, je sais pas s'il si voulait, voulait peut-être attirer Luigi même. Euh, ok, bah il va éroder du coup. C'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi il l'a repoussé. Peut-être un bait. Bon, il faut re avancer. Il faut repasser à l'offensive, parce que là on est sous érosion. Est-ce qu'on joue, est joue souillure, genre on débuffe notre Rouginac là Bon, c'est vrai qu'il peut se, se nouvel lune, donc c'est pas trop grave, mais... Ouais, j'aime pas trop le call panda feu pour l'instant. Vraiment, panda tank aurait été beaucoup mieux. Regarde là, on hésite à avancer, ça se voit. Euh... Après, il a raison, il peut pas avancer n'importe comment non plus. Hein, mais il y a un moment, il va falloir. Et si on veut jouer la game, il faut s'avancer un peu quand même. Hein. Oh, le vilain chauffeur crit. Merci Triska pour les 26 mois de sub. On est très patient. Hein. On veut vraiment attendre l'érosion de Stoujinak. Il faut mettre une. Est-ce qu'on va rester sur le Zobal d'ailleurs ou est-ce qu'on va changer Le Yop il tankerait pas beaucoup. Le Yop il a pas beaucoup de reste-feu, il a pas de bouclier résistance. Euh, S'il si commence à se faire éroder, il peut descendre très très rapidement. Après il a quand même les vitalités et tout, mais je pense qu'on a du debuff donc c'est pas la fin du monde. On se fait victime, faut doser, on sait pas victime. C'est juste qu'on joue un peu trop passif, mais bon après ils savent ce qu'ils font hein. ils vont pas rusher n'importe comment. Ah là, la brume, elle est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est pour ça que tu vois, je te disais, temporiser, c'était chiant pour nous. Parce que voilà, du coup, ils récupèrent leur brume, ils récupèrent le duel, etc. etc. Bon, là, il sait où est le zobal. Il peut remettre de l'érosion, ça y est. Mais la brume, elle est beaucoup mieux que tout à l'heure. Il va pouvoir plus facilement se cacher dedans. Et on va éroder le zobal. Est-ce qu'on se nouvelle lune ou pas Est-ce qu'on se nouvelle lune non, on va convergence pour se barrer c'est plutôt un bon tour là, j'avoue. Mais ça me fait peur, ce genre de tour, parce qu'imagine s'il y avait un piège que tu as oublié dans ton tour, que tu fais convergence, tu te prends un piège, genre. Ok, là c'est le moment d'être fort et de trouver ce zobal dans la brume. 6 PM, il est sur une case de quelle couleur Noire, donc il terminera sur une case de couleur noire. Bon, ça tombe mal, c'est la majorité de la brume, les cases comme ça. Apo. Il faut bien vérifier qu'il passe av pas avec un PM. Là il faut être au taquet dans la brume, là c'est important, ça peut tout changer. 5 PM, foudrement de Grunob, 2 PM restant, 1 PM restant, 0 PM restant, donc il est bien sur une case de couleur noire. Il peut pas être sur celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases possibles. 10 cases possibles. Et ça, il a des sorts de zone donc il peut éliminer pas mal de cases. Euh, les cases les plus probables sont quand même les cases qui sont derrière, parce que c'est les cases un peu plus safe. Ces deux cases-là sont les plus probables. Là on a trouvé déjà quelqu'un mais c'est pas le Zobal, c'est pas celui qu'on recherche. Ok on soigne un peu tout ça, on va tenter un autre sort. On retrouve quelqu'un mais c'est toujours pas le Zobal. Donc on sait que le Zobal il est pas sur ce genre de case, mais je pense que, de toute façon le Zobal il est sûrement là ou là. Et on a retiré 2 PA sur euh, le SRAM, je crois. Hein. Ou alors peut-être c'est un. Non, c'est pas un double. Attends, mais il a 12 PA alors qu'il a pris moins 2, là Euh. Apparemment, ouais. Mais ouais, j'aime pas trop comment on joue la game. Et tout ça, c'est parce qu'on a pas un panda mode tanky. Bon, là, il va peut-être pouvoir se réavancer, d'ailleurs. Il faut, hein, parce qu'ils sont le panda, il va vraiment servir à rien, là. Hein. Euh, le Yop peut mettre des tannés, je crois. Ah non, il a debuff l'érosion. Bah ça c'est pas mal en vrai. Mais je crois que là qu'on a plus personne d'érodé. Donc ça c'est cool, le Yop s'il veut éroder, faut qu'il commit. Donc ça c'est vraiment bien. Vitalité sur lui-même. Ah ouais frérot. La divine a pas spoté être son Zobal, donc le Zobal est pas dans le coin. Il doit être plus haut du coup. Il doit être sur ces trois cases-là. Le Zobal il doit être sur une des trois là, quasi sûr. Mais du coup, c'est les cases les plus dures à atteindre pour le panda. Bon, bonne nouvelle, on n'a personne dérodé sur cette phase de jeu. On va balarguer le chaffeur dans le tas, avec un brancard, et je pense qu'on balance un tonneau, non Là, on brancard, tonneau, on porte, on pendiculation. Ok, on, on balance directement ce truc. Bon, là, on sait où est le... C'est qui ça C'est Lyop ou le SRAM Ça, c'est le SRAM. Non, le chaffeur, il est mort et on recule. Ah, on tente pas la brume. Hein. Et ils aiment bien les games longs, ça, hein. ça leur plaît. Hein. Bon, la vita servait ça ça vraiment à rien. C'est juste que le gars, il savait pas quoi faire. La vita, c'est euh, pas faire le rageux de Gamma, mais elle a aucun intérêt pour l'instant. Limite, vitalité sur son Zobal, c'est mieux, parce que sa mascarade peut taper potentiellement plus fort. Hein. Tu sais que même ce coup de posséder, il vient déroder un peu son allié. C'est bénef <laughs> Mais bon, il gagne quelques dégâts sur Mascat, donc je peux comprendre. On ne peut pas moi On va se coucher à 2h du mat, j'avoue. Bah, à part si on met 3-0, mais bon. On verra au calme. On n'était pas encore là. Après, il n'y a pas toutes les games qui sont comme ça. Là, j'avoue que cette game-là, elle n'est pas ouf à regarder pour l'instant. Il y a plein de games qui sont super intéressantes à regarder Et puis même cette game là il y a sûrement un moment dans la game Où ça va devenir super intéressant Là, En plus il y a eu des pauses et tout donc forcément c'est pas le meilleur exemple quoi. Faut pas juger juste sur un combat Il y a eu plein plein de combats qui étaient super intéressants Même des combats longs 4800 vita max pour le Zobal hein. Tu sais que pour l'instant je pense que c'est quand même à l'avantage de Solari Toutes ces conneries hein. Le Zobal a perdu plus de points de vie que ce qu'on a perdu nous hein. Et juste le panda qui a moins d'HP parce qu'il start la game avec point de points de vie, c'est tout, mais... En vrai c'est pareil sur tous les jeux frère, même sur League of Legends, ce que tu veux, il y, a, il y a des fois il y a des games qui sont pas drôles, bon bah voilà c'est comme ça c'est le jeu. Je pense que c'est pareil pour même tous les... Même plus le sport c'est pareil, même des matchs de foot. Des fois t'es là, il y a des matchs, bah il y a 0-0, bah oui on se fait chier, bah c'est comme ça c'est le jeu. Là pour l'instant ça c'est une game 0-0, bah il y aura peut-être de l'action plus tard ou peut-être ça va rester une game 0-0, mais... C'est pas, pas toutes les games qui sont comme ça, faut pas, faut pas abuser quoi. C'est même, franchement, c'est même rare les games qui sont boring. Là, c'est le facteur SRAM, le facteur map un peu grande qui rend la game un peu, un peu lente. Et on, comme on le disait aussi, le facteur pause Parce que la pause, euh, ça ralentit un peu les bails aussi. Mais ouais, on va, on va jouer sur les cooldowns de flair. Sauf que, bah, ils vont counter le flair régulièrement. Ah, franchement, je suis quand même d'avis que le panda tank était 100 fois mieux. Ça me semble tellement bien là, panda tank. Parce qu'il peut se permettre de faire beaucoup plus de placements, être exposé. Bon, il se serait fait éroder quand même, tu vois. Mais en plus, il peut se debuff l'érosion. Il y a l'inéribsa qui peut le modjuvence. Alors, je pense que même eux, à refaire la game, ils auraient joué tank tous les jours là. Ils regrettent déjà leur panda feu. Il a quasiment pas tapé de la game. Après, on va voir, le feu peut s'avérer utile sur un moment clutch pour faire un kill ou un truc comme ça. Tu que là, euh, la brume, elle part maintenant, non Ou est-ce que c'est le prochain tour Je crois qu'elle se casse maintenant. Là, c'est peut-être le moment de porter l'ouginac, de s'avancer, là. Franchement, la brume va partir. On n'est pas érodé en plus, je crois. Là, c'est peut-être le moment, on porte l'Ouji, on s'avance, on porte Lenny, on s'avance un peu, tu vois, on se suicide pas non plus, mais. Un minimum. Parce que la brume part, donc je pense que ça peut être bien. On va peut-être se manger un piège sur la route. Ok, voilà, là on passe à l'offensive quand même. Bon, l'Uginac risque de prendre quelques dégâts, tant pis. Parce qu'en plus, le panda, depuis tout à l'heure, il se booste bien en puissance et tout avec son tonneau, mais il ne peut pas taper, donc on s'en fout de son boost-puissance. En plus, là, si il se prend une marque mortuaire, et tu sais quoi, frérot Au pire, tu fais nouvelle lune, tu débuffes l'érosion. Et c'est pas grave. Alors le sram, il va quand même marque mortuaire, parce qu'ils sont il peut pas taper. Voilà. Une grosse marque à 30%. Un double, il va peut-être pas... Ah, pesanteur, c'est pas ouf en vrai, non Parce que là, concrètement, si pesanteur, le friro, il fait nouvelle lune. Et dans tous les cas, il est content. Je sais pas. Ouais il va pas le faire, je pense qu'il a compris qu'il fallait pas pesanteur. Alors, est-ce qu'on nouvelle lune ou pas Est-ce qu'on fait pas flair en premier Tu peux pas nouvelle lune quand t'es déjà en bestiale. Moi j'aurais peut-être dit flair, gangrène, tibia, nouvelle lune, tu vois, un truc comme ça. Flair, gangrène. Ah non, il peut pas Tibia maintenant. Bah, il peut, il peut Caninos s'il faut. Caninos. Il va peut-être pas une Nouvelle Lune, hein, c'est pas sûr. Oh non, il va juste se barrer, je crois. Il va pas Nouvelle Lune. Regardez-moi comment on joue safe. <laughs> c'est trop safe, frère. Il aurait pu poser les bennes. Il a mis une vertèbre. Non, il a même pas mis de vertèbre en vrai. Putain, j'en peux plus, frère. Il a même pas eu de vertèbre. Hein. Mais la Vitamax, Zobal descend. Non, en vrai. Est-ce que c'est rentable Ouais, c'est juste le... En fait, c'est pas un mauvais play, c'est juste qu'il aurait pu taper plus fort, mais il prenait plus de dégâts derrière. Là, il préfère jouer safe, c'est ok. Hein. Je comprends que dans le jeu, ça se passe comment Bon, c'est pour l'instant serré, game numéro 1. Euh... C'est pas la game la plus dynamique, il faut l'avouer, mais... Ça joue, ça joue. Je dirais quand même Solari... On... Est-ce qu'ils sont devant on peut pas vraiment dire qu'ils sont devant mais on est pas derrière non plus quoi là franchement là il y a 50-50 pour l'instant Mode déco il s'est trompé de sort frère qu'est-ce qu'il fait là <laughs> Il s'est trompé de raccourci Bon c'est pas grave tu sais qu'en vrai il avait tellement de PA il les aurait pas utilisé dans tous les cas là il avait 15 PA Il était trop loin En vrai s'il y a bien un tour où il pouvait miss c'était celui-là il allait rien faire dans tous les cas il était trop loin Alors fait galvanisant Est-ce qu'il swap de place il fait quoi Là j'aimerais bien que le panda tape ce tour Franchement Ça serait bien Qu'il balance son tonneau Qu'il qu mette une flasque Je sais pas moi euh, Qu'est-ce qu'il peut faire déjà euh, Souffle enflammé Ça serait bien En plus il est full boost en puissance avec son truc là Le Zobal il, il a pas tant de résistance feu que ça franchement Ça serait cool Et on va friction, double fracture. 4200 max pour le Jnac, ça descend quand même assez vite, faut surveiller ça. Ouais là il faut... Je pense qu'il faut accélérer le mouvement là pour Solari. Enfin. Bah... Putain, il galère à balancer son tonneau correctement, mais bon. Là, faut qu'il aille taper. Franchement, il a 50 000 PA. Il a proc vulbis. Allez, panda, montre-nous que t'as bien fait de jouer mode feu, c'est maintenant. Il peut taper hein. Il va rebalancer son tonneau. J'ai peur qu'il y ait un piège je lui fasse tomber son tonneau, mais ça a l'air bon. Pas de crit malheureusement. Allez, faut. commit, hein, tant pis. T'es pas érodé là sur ce tour là, faut y aller. Hein. Avance-toi, mets des pommes Il veut pas s'avancer plus. Hein. Il peut souffler enflammé quand même sur l'ivoire, mais c'est pas grave, il y a l'érosion. Un petit Wasta, ok. Ils veulent pas prendre du risque hein, dans cette game, hein, Solari. Hein. Aucun risque de prix. On va gêner ce SRAM. On va méprise. On va taper Luginac. Luginac qui descend quand même pas mal en vitamax. Apparemment, ah, il est plus euh, Si, il est quand même héros par fracture, c'est vrai. Eh bien, Zobal, euh, Zobal sera bien il Faut pas se coûter la compo. Hein. Je sais même pas s'il était obligé de marque mortuaire, là, franchement. Bon, ça coûte que 2 paires, en vrai, pourquoi pas 3800 Vita Max pour Logi. Il faut qu'on accélère un peu. Hein. Tant pis si nos Vita Max elles descendent. Il faut qu'on accélère un peu. Notre compo est forte en mêlée. ça peut. On peut vraiment taper plus fort que ce qu'on monte pour l'instant. Même là, le tour du panda. Moi je pense qu'il aurait pu jouer plus aggro. En plus, il aurait pas fait de zone s'il avait joué aggro. Et il aurait pu tacler le double. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Hein. Même sur le panda là. Hein. Il, il s'exposait, c'était pas grave. Il était plus érodé lui. C'est limite bien. Ils auraient peut-être changé de focus sur lui. Enfin bref, je suis pas fan quoi. On va poser les ben sur le Zobal. Le Zobal commence à être un peu mal quand même. Hein. Mais il peut tenir longtemps en vie avec ses shields. Après, en mode tank, pour te protéger toi-même, t'as que diffraction et euh, plastron. Parce que tu peux pas de scudo, tu peux pas de torto, il peut vertu. Alors, on est à 3200 Vita. Bon là la mascarade elle est un peu terminée. Hein. Le mec il a mis aucune mascarade de la game, je crois. Mais pour l'instant, c'est pas le Zobal qui est mis en valeur, hein. c'est clairement ce Yop et ce Sram qui font un bon travail, hein. Le Zobal, il est juste là pour absorber la pression. Il joue weak side. Il joue euh, top euh, tank weak side. Là, c'est exactement ça. Franchement, hein. enfin, c'est exactement ça. Il absorbe la pression pendant que ses carry, ils sont tranquilles. Première mascarade de la game, 500 dégâts. Bon, c'est un peu bof. En plus, il était pas érodé, Luigi. Donc, franchement, je pense qu'il aurait même pas dû masquer. Bon, c'est ok. On va dire, ça, ça tape un peu, mais. Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut mode en vol la et accélérer un petit peu la game. Il faut là. Hein. Même je pense qu'on a trop tardé à accélérer cette game. Hein. Mais je pense c'est le tour de Lugina qui nous a trop freiné. Regarde, c'est quoi ça On joue encore défensif là. Top. On met même pas un turbulent sur Lugina là. Ah ouais. En plus le retrait passe pas. C'est pas ouf encore. Hein, puisque là on aurait pu turbulent. Hein. Parce que le turbulent il soigne, mais bon c'est même pas grave. le soin qui est bien, c'est les dégâts. Ok, le Yop qui est un petit peu taclé. Alors, ils vont aller sur qui là Ils vont retourner sur l'Oujinak, je pense. Voilà, on retourne sur l'Oujinak avec un bon crit. Il est sous puissance, le retrait PA est même pas passé. Il va lui mettre des bons dégâts. Hein. Il y a la Vulné et tout. Il va l'exploser. Il peut lui mettre un zénith à plus de 1000 là. Ah, il va mettre le zénith là. Voilà. 1300... Il a de la chance sur les crit. Mais en vrai, son mode il a des crits. Hein. C'est pas non plus trop chanceux, je crois. Gamma qui met un gros Zenith sur notre Oujinak. Qui est mal Le panda, est-ce qu'il a un cac-soin Je sais même pas. Je sais même pas s'il a un cac-soin, le panda. Pour l'instant, là, c'est euh, Gamma qui a pris l'avantage avec cette phase de jeu. Il a ou pas, Liop Bon, Liop, il a quand même du principe faire ce gros tour. Mais pour l'instant, j'ai pas aimé comment on a joué la game. Hein. Ah, est-ce qu'on a un marteau possédé ou pas J'ai pas l'impression. On va taper un petit peu. C'est un peu tard là pour taper. Euh euh, bon, qu'est-ce qu'il nous reste pour gagner cette game En vrai, plus grand-chose. Hein non, Lujnak il a encore 3300 vitamax max, c'est pas si mal. Mais ils ont des bons dégâts en face. L'UPR il est bien. C'est la troisième rume de la game. Il va falloir de nouveau retemporiser côté Solari. En plus attention parce que si on tue le Zobal mais qu'on perd notre Uginak, le 2v2 il est pas gagnant. Hein. Le Sramiop ils ont un bon 2v2 là à venir. Hein. Le feu qui a clairement beaucoup d'impact dans la game. Puis là l'Uginak il doit descendre ou pas En vrai oui faut il faut qu'il descende là. Tu sais qu'il pourrait même jouer agressif et aller taper le, S le Zobal ce tour. Notre rôle. Hein. Il faut prendre les bonnes décisions. Pour l'instant on n'a pas pris les bonnes décisions là. Voilà là il faut taper le, le Zobal là. Pourquoi il peut descendre parce que le Zobal il n'a pas de mascarade et il est en mode temps, donc il peut pas le taper en fait. Et il faut qu'il descende pour qu'il que ça puisse le soigner. OK, on a remis l'érosion sur le sur le Zobal donc ça c'est très bien. Une petite vertèbre vertèbre c'est bien vu qu'il est sous vertige. 3300 vita max sur ce Zobal mais on l'a dit, il a beaucoup de points de vie de base donc ça descend doucement. C'est un Zobaltank, il est là pour ça, on l'a dit. C'est le Horn Top qui est là, il absorbe toute la pression de la game. Petite diffraction. Petite diffraction. Bon, oh, on crache pas sur la diffraction en vrai, nous, hein, parce que. On n'est pas tant érodé que ça, donc un peu chill, ça nous fait du bien aussi. Franchement, la diffraction, je suis limite content qu'on l'ait. Je me dis, c'est pas mal pour nous. Ça protège même un peu le et tout. Même le, le lapin, il a du shield. En vrai. Euh... Alors, je suis pas sûr qu'ils avaient besoin de diffraction, eux, par contre. Ouais, je suis pas fan de Skull de la part de Gamma. La diffraction me semble vraiment pas terrible. J'ai l'impression que c'était une diffraction qui nous a arrangé, là. Et on arrive même à taper le Zobal grâce à ce maudit strayant. Ça, c'est une bonne nouvelle, là, pour cela. Et enfin, une bonne nouvelle. Ça faisait un petit moment qu'on attendait une bonne nouvelle dans cette game. L'enchaînement diffraction plus maudit strayant qui nous met bien. Il faudra quand même soigner un petit peu notre Rouginac, quoi, un minimum. Voilà, on débuffe, on soigne. Bah, c'est le lapin qui va. Bah non, le lapin est trop lent pour ça. Ce... On va pas soigner énormément, mais le Yop, il aura pas beaucoup de PA ce tour, donc ça va. Et le Zobal a pas très bien géré sa transfiguration non plus, parce qu'il a transfiguration, mais il l'a mis dans l'état psycho. Ouais, du coup, c'est pas très utile, quoi. Est-ce qu'on voit l'effet Ouais. Ouais. Ça met un malus résmélé au cas où le Yop veut le taper. On va dire, c'est ok, mais je pense qu'il voulait plutôt nerfer ses dégâts. Alors le, on n'a pas trouvé le zobal, mais on sait qu'il est sur une des cases à côté du lapin. Pourquoi focus zobal C'est parce que c'était le seul qui pouvait choper Tourin. S'il pouvait choper quelqu'un d'autre, ils auraient chopé quelqu'un d'autre. Mais le c'est le seul qui pouvait atteindre Tourin, donc ils sont là là dessus. Et puis ça nerf aussi la mascara effectivement mais c'est pas que pour ça. Parce qu'en vrai, je pense que c'est mieux de faire un kill sur sur le yop, tu vois, à choisir. Ouais, oh, on met des gros dégâts. Hein. Ce Yop R, il est 1v9. Hein. Le Yop R il est en mission. Il est en mission pour, pour les Sud-Américains là. Allez, il faut balancer Stono, trouver le Zobal. Est-ce que le Zobal est dans la zone La réponse est oui. Les dégâts sont pas honteux du tout. Ouais, ça tape bien. Bon, attention à pas tuer le lapin si possible, ni l'Ouasta, mais. On commence à descendre en Vitamax sur le Panda et sur l'Ouginac. Bon, le Zobal aussi, hein. 2700 Vita. On recule, on picole. La brume va pas partir maintenant. Je crois que c'est prochain tour. Comme quoi, tu vois, cette draft de la part de Gamma est pas mal, hein. Zobal, double rôdeur. Tu spam shield, tu héros les mecs. Enfin, mais comme je disais, hein, je pense que le, le panda, il aurait juste dû jouer un autre élément et c'était beaucoup mieux. Après, je me trompe peut-être, mais. Je pense que tu joues panda d'un autre élément et tu focus Bah, le Yop là, du coup, l'initiative. Et euh, la game est beaucoup plus, plus jouable, je pense. voilà bon, c'est pas encore un jouable, attention. Hein. Allez, la zone fourberie. Lujina qui va descendre un petit peu en Vitamax. Ouais, la zone fourberry est pas mal, ça vote de l'intel à Lenny. Le SRAM a raison, il est pas du tout obligé de finir dans cette brume, hein. On a plus beaucoup de points de vie sur Sujinag. Bon, il peut être soigné, donc c'est pas la fin du monde. On a la relance de Mascarade, mais là, pour le coup, j'avoue que la Mascarade à 2700 Vita Max. Elle va vraiment rien taper. <laughs> pour le coup, je pense que le sort, on peut un peu l'oublier. Bon, je pense qu'on verra plus de Mascarade, ou à part que ça permet de faire un kill, pourquoi pas. Mais je pense qu'on aura vu qu'une seule Mascarade dans cette game. Mais tu vois que le Zobaltank, tank, même avec une Mascarade dans la game, il est quand même fort. C'est ça le pire. Ah ça marche plus hein ça. Encore un nouveau misplay malheureusement. Il aurait dû molos. quoi qu'après il aurait enlevé l'ivoire de son allié. Donc c'est pas vraiment un misplay mais il aurait juste pensé qu'il avait un état de rage mais ce n'est pas le cas. Donc il aurait fallu faire limite tibia ou je sais pas quoi mais euh, il fallait pas gangrène. Mais c'est vrai qu'avant ça marchait pour le coup. Il s'est fait patch diff là. Bon sur de il y a 15 milliards de à connaître donc c'est normal de faire Epizure surtout que ça... Pour le coup, son erreur là qu'il vient de faire, c'est un truc qui marchait avant et qui a été patch il y a genre, euh, je sais pas. Euh, je sais pas combien de mois, mais il n'y a pas très longtemps quoi. Donc bon, c'est le genre de misplay qui peut arriver. Bon, la brume part ce tour. On va pouvoir y voir un peu plus clair. Mais il va falloir lancer une dernière offensive pour revenir à bout de ce Zobal. Mais c'est dur de faire un kill. Hein, parce qu'il reste encore la vertu et tout. Euh... C'est vraiment pas facile de faire un kill. Hein. Je pense que Zobal Tank, c'est juste trop fort. Les gens comprennent enfin. Enfin, moi je l'ai répété depuis 65 ans que c'est broken, mais bon. Bon, la game reste On manque un peu de sort de shield aussi, surtout. Quand t'es low HP en Vitamax, ce que t'aimes bien, c'est avoir du shield. Et en face, ils ont beaucoup de shield et pas nous. On en a un petit peu, on a fermentation, on a galvanisant, on a pelage protecteur. Par contre, ce lapin, c'est quand qu'il le tue, frère Ça fait trois heures qu'il est dans leur cible. Là, il va crever le lapin normalement. Il a que ça à faire de le tuer. Est-ce que c'est un a, Il joue agressif et il commit pour taper là. Je me rends pas compte du tout. Ah, je crois qu'il va le faire. Hein. Ah il va, il va pas avoir un commit, il veut juste taper les nier. En vrai, je pense qu'il joue de la bonne façon quand même gamma là-dessus. En termes de décision, c'est pas mal côté gamma, j'aime bien. Prenez aucun risque. Bon les deux équipes jouent vraiment genre aucun risque. Quoi. Mais la force de notre compo c'était de jouer en mode no brain et on n'a pas joué en mode no brain. On a joué compliqué. Mais jouer en Monobrain contre Zobal, c'était pas le plus simple. Et on temporise encore. On va réattirer les Niripsa. Est-ce que ça passe à ce petit jeu-là Il y aura peut-être le kill en or. Hein. Est-ce qu'ils vont pas nous faire la spéciale kill en or la Solari En gros, on attend tour 16 et on alline, on oline sur le Zobal. On le tue, GG, Whelper, a gagné. Ça y ressemble, hein Zobal a 2500 Vita Uginak 3000 Vita max 2700 Vita max sur Panda En gros il y a le Zobal qui est Mal en point Et côté Solari on a le Panda et l'Uginak Qui sont midlife Mais ça peut aller vite On a vu ce Yop il est 1v9 euh, Décidément les Yop contre Solari sont toujours pixels. On a une malédiction sur cette classe en ce moment Le Yop il est 1v9 Il tape super fort Donc euh, un Yop qui fait un tour précis pourrait lui aussi euh, faire un kill hein, potentiellement hein, parce qu'il tape vraiment fort. Tu vois, là c'est dommage, j'aurais pu flair si on avait l'état de rage du tour précédent. Bah, il peut toujours flair en soi mais ça lui fait perdre 3 PA quoi. Non il y va pas. Mais je vois pas l'état de rage C'est moi là, on le voit. Les dégâts de la ne le highlight du match. Pourquoi la glyphes du lapin n'était que du 50 là Je sais pas vraiment hein, pourquoi. Bah quand même... Overall, je pense que Solaris ont plus de dégâts. Donc pour le kill en or je pense que Solari c'est mieux, mais par contre j'avoue qu'ils ont plus de shield en face, donc faut faire gaffe à ça. Mais si on agresse au bon moment où il n'y a pas trop de shield, euh, ça peut passer. C'est au tour 16, là on est tour 12. Il n'y a aucune invocation quoi. On est tour 12, il n'y a pas une invoque. Tout avec tes clears. Il reste une caotte quoi, mais c'est pas vraiment une invoque. Il n'y a pas de match nul hein, au cas où. C'est kill en or. Donc là, le premier qui fera un kill au tour 16, là, c'est pas encore la règle du kill en or là, mais... Bon après, vu la dynamique de la game, ça sera une game au kill en or quasi sûr. Du coup, première équipe qui fait juste un kill, c'est instantanément gagné pour elle. Mais il faut réussir à faire ce kill. Et pour l'instant, on est en quart de finale, les mecs prennent au Caris, quoi. On est sur le scénario 0-0 là. Hein. Alors, comment ça, Vital Zobal Est-ce qu'on a beaucoup de debuffs du coup ou pas On a moins interdit Mais le panda, il a pas lancé. Il a lancé ni brassage ni souillure, non Mais les connaissants, à mon avis, ils jouent avec brassage. Merci à Trezok pour les 33 mois, merci mec. Ouais, je connais ceux-là, ils aiment trop brassage, je crois. Mais pourtant, souillure aurait pu être sympa alors. Bon est-ce que c'est pas le moment de rejouer un peu agressif Parce que quand même il y a plus de brume quoi, faut pas attendre la brume pour jouer agressif, au contraire, c'est quand il y a pas la brume qu'il faut y aller. Et je crois que ça va pas être le cas, on va peut-être compter sur Flair. Mais en face non plus, ils jouent pas gros. En vrai, en face, ils auraient pu jouer plus aggro, je pense. Je suis même assez surpris. Tu vois, le Yop, le tour d'avant, il aurait pu bon et double fracture sur Luginac ou je sais pas n'importe qui, il l'a pas fait. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars, c'est que Solari, ils ont une patience de fou. Donc si la game doit durer deux heures pour qu'ils gagnent, ils vont, ils vont faire une game de deux heures. Non, si on perd cette game, c'est pas dehors. Il faut perdre 3 games pour être éliminé. Il faut en gagner 3. C'est toi qui vois. Soit on en perd 3, soit on en gagne 3. Mais en face, ils abusent un peu aussi. Hein. Franchement, ils pourraient jouer plus agro. Parce que vu les points de vie. Après, ça peut aller vite sur leur Yop. C'est pour ça qu'ils ont peur. Mais vu les points de vie qu'ils ont sur SRAM et ils pourraient prendre un peu de risque. Que le Zobal reste derrière, il n'y a pas de souci, tu vois. Il est un peu mal, ok. Mais le Yop et le SRAM, ils pourraient franchement s'avancer un peu plus, ils abusent. <laughs> mais bon, je peux comprendre. Non, parce que je les vois venir à les gens, ils vont dire ouais, c'est la faute à Solari. Et franchement, en face, ils jouent pas très aggro non plus, quoi. Sachant qu'en face, ils n'ont pas une compo très distance non plus. C'est pas comme s'ils avaient un cra. Les deux teams, ils abusent un peu du bail. Mais là, je dirais, dans ce timing-là, c'est même plus gamma qui abuse de pas avancer. Au début de partie, je trouve que c'était plus Solari, mais là c'est plus gamma qui abuse. Parce que là frérot et le mec a 3000 de shield, tu peux t'avancer un peu quoi. Je te demande pas de te suicider non plus, mais tu t'avances, tu mets une érosion, tu recules un peu. Mais je pense que cela, ils vont y aller peut-être prochain tour là. Et ils vont doser comme d'habitude, ils vont éroder un peu, reculer, éroder un peu, reculer. Oui, après il n'y aura pas que des games comme ça, hein. enfin on verra, hein, mais je pense pas, non. Je pense pas qu'il y aura que des games où ça sur Dofus, ça peut être tout rien, il peut y avoir des games qui durent 10 minutes, des games qui durent une heure et demie Tout est possible Mais en enfin, face en tout cas des bons stuffs parce que les PA qu'ils ont mis est pas dégueu hein. Les skiff PA n'est pas dégueu, euh... elle a bien carry pour l'instant Alors le Yop, regarde là le Yop, il pourrait taper un peu, mais non, il veut pas. Il n'y a aucune règle anti-jeu, euh, je sais pas comment ils font si vraiment les deux équipes abusent du bail, il avoir... Je pense qu'ils mettront un truc hein. Ils leur diront de faire un truc, ils feront un chaffeur crit. Premier qui fait un chaffeur, il a gagné. Non en vrai, je sais pas, on verra bien. On n'en est pas encore là. Hein. Ok, on s'avance un petit peu. Mais là, tu vois, on se réavance, ce moment, il va y avoir la brume. C'est dommage, il fallait avancer un peu avant, quoi. Pareil, il faut pas non plus trop commit, mais un petit peu. Bon, le Zobal a 3000 à max, mais il a une vitalité à 650 sur la tête. Donc, c'est un peu des points de vie temporaires. Il bah, y a juste le SRAM qui peut un peu s'amuser à distance dans cette game. Il met des pièges. Ce qui est d'ailleurs chiant hein, parce que s'il met des pièges tous les tours, à un moment ils vont, on va vouloir s'avancer il y aura 40 pièges et ça va nous ruiner. Hein. On va pesanteur l'Oujinac pour pas qu'il puisse flair. Et il y aura sûrement des pièges sur cette ligne là pour pas qu'il se fasse attirer le Zobal. Et le Zobal c'est plus une menace en tout cas. Les mascarades là maintenant elles tapent combien euh... sur l'Uginak, elles doivent passer à, à 300 250 peut-être Donc en gros bon, ça fait pas très peur là les mascaras. C'est vraiment ce Yop R hein, qui fait peur. Yop R qui. qui on a vu, il mettait des... des fractures à moins 700 là tout à l'heure. Ah, regardez, qui c'est qui repasse à l'offensive C'est Solari, mais il y a peut-être un piège. Pas de piège, on peut mettre une gangrène. Est-ce qu'on peut poser Eben Oui. Nous pouvons poser Eben. Et on a le Zobal qui repère pas mal de points de vie. Ça va vite une fois qu'on tape. Hein. En plus, ce Zobal n'est pas si tanky que ça en vrai, puisqu'il a 30% haut et pas de Resmele. On va pousser Loujinac vers sa team. Et attention, le Yop qui va taper. Là ça va, ça va, là, ça va accélérer. Il y aura la Brume, par contre, qui va freiner. <laughs> Mais on est tour 14, on rappelle tour 16, qu'il en or. On met une vulné hein, sur cet ouginac carrément. Donc on joue vraiment offensif avec son Zobaltank. On met une diffraction. Diffraction encore une fois un peu discutable, mais bon, pourquoi pas. Je m'attendais à ce qu'il pousse l'Oujinak vers le haut, je suis un peu... Bi... Ouais, c'est un peu bizarre. Je pense vraiment que Bolish l'Oujinak vers le haut, c'était le play, hein. je suis assez surpris là les gars. Peut-être qu'il y a un facteur que j'ai pas en tête, genre il a mis un réseau de pièges ou quoi, du coup il veut le laisser par là. Enfin, J'avoue, je... je comprends pas trop pourquoi il a pas Bolish vers le haut. Mais tu peut... vois, j'ai pas toute la data en tête. Il peut être distrayant sur le Wasta là. Un petit Lapinou et un Cœur Strident. Je crois que c'était sur l'ivoire, mais bon, vu qu'il y a de l'érosion, on s'en fiche un peu de taper sur l'ivoire, c'est pas un problème. Puisque c'est ce qui met le plus d'érosion. Ça tape moins, mais ça met plus d'érosion, donc c'est ok. Bah j'ai pas trop aimé ce ouais le tour du zobal où il avait vraiment le, le, le moyen de mettre Luginac isolé tout là-haut vers son yop et il le fait pas peut-être parce qu'il y a un bail de je t'ai dit hein, c'est peut-être parce qu'il y a un bail avec le Srab. Hein. il y a sûrement une explication parce que je comprends pas trop sinon en plus le fait qu'il boliche pas ça veut dire qu'il reste vers le panda vers l'Eneripsa, et du coup il est moins safe en fait et en plus la diffraction je suis pas fan non plus parce que ça protège Luginac. enfin bref encore une fois cette diffraction je trouve nous arrange je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe Solaris. Cette diffraction, ça fait deux fois que la diffraction est bien pour nous. Donc là, attention, peut-être un réseau de pièges sur l'Ouginac, aucune idée. Vu qu'il est placé sur cette case précisément, tu vois. Peut... Mais pff, il joue manigance dans tous les cas, il n'y a pas de réseau, tu vois. Il... Enfin, il peut faire un réseau sans chakra, mais sans chakra, ça tape que dalle. Donc euh, je pense que c'est légende urbaine quand même, réseau de pièges. Hein. A... Je suis quand même sûr qu'il a manigance à un moment dans la game. Oui là il a le sort là ouais, ouais il a pas il a pas Ah bah voilà là, le panda là regardez on passe à l'offensif là le panda il met des vraies tartines là moins 500 Ah bah voilà là c'est pas la même là tout de suite Voilà là enfin je reconnais là on est tour 14 enfin je reconnais la team ça. Là on met le panda avec 60 milliards de dégâts Le Zobal il est ultra mal 1000 HP enfin Bon attention parce que là on n'est pas encore au kill en or donc ce qu'il faudrait faire dans l'idéal tuer ce Zobal et après, jouer ultra safe jusqu'au tour 16 et après on a gagné. Donc en gros là le tour 15 à venir, c'est le plus important de cette game. Donc on va déjà regarder ce que fait ce SRAM. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il puisse sauver son Zobal, très franchement. Euh, il peut même pas faire de méprise puisqu'il est pesanteur, de toute façon. On va reculer comme ça. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de réseau. Hein. Est-ce qu'on pourrait vraiment appeler ça? Moi je pense qu'il peut juste le reculer, ce qui est pas mal joué d'ailleurs. Il l'écarte du Zobal, c'est plutôt un bon play. Mais c'est un play défensif. Et le zobal, je sais même pas s'il a le placeron d'ailleurs Euh... Je pense qu'il a le placeron, mais il aura que ça hein. Il aura pas plus que le placeron Et en plus la Lugina, qui peut peut-être quand même taper là Je serais pas surpris qu'il puisse taper Puisque là il peut convergence sur l'arachne déjà les gars Donc la convergence à arachne va lui faire gagner Genre 5 PM, ce qui est beaucoup Et après il peut aller taper sur zobal Et moi je... S'il y a pas un piège random sur la map Je pense qu'il peut tuer, bon il y avait un piège Mais ça va, il est quand même... Il peut quand même radius le lapin et tout hein. Moi je pense qu'il peut quand même tuer Là IMO. Il vient là, Radius Lapin, il tape. Après, ouais, non, moi je dirais qu'il peut. Hein. Radius lapin, il full tape, il est en bestial, il tape fort. Hein. Pour moi, c'est le kill. Et maintenant, il faut juste jouer ultra safe. Et on gagne. Le poison devrait l'éliminer, les gars, hein, au cas où. Et voilà, le kill est pris. Maintenant, il faut jouer full safe. Et on gagne ce qu'on arrive tour 16. voilà oh, la game. J'avoue, le dénouement de la game, il est décevant. C'était quoi ce tour de zobal trop bizarre Gamma, ils ont bien joué la game, ils arrivent à la fin et ils chokent. Regardez là, ils sont tiltés, ils abandonnent direct. Bon, écoute, tout ça nous va en tant que Solarien, hein. on est content. On est... ils, ont, ils ont fait plein d'efforts pour choke lamentablement sur la fin, avec franchement assez bizarre. Le Zobal a juste fait de la merde, enfin je suis désolé là, faut dire les termes. Ils avaient fait une bonne game et le Zobal, il s'est suicide Alors qu'ils pouvaient juste bolish, ils se mettaient beaucoup plus safe, et le qui était plus isolé, enfin je sais pas, c'est très bizarre nous on prend on gagne la game 1 ils ont perdu patience je t'ai dit de toute façon je t'ai dit si la game dure longtemps solari ils sont dans leur comfort zone les games longues c'est pour eux ils vont pas ils vont pas craquer sur la longueur